Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose quelques exemples de grammaire et de conjugaison. Voici un exemple du contrôle de grammaire du deuxième semestre. Ici, il nous demande d'encadrer le verbe et souligne le sujet. Alors par exemple, l'élève range son cartable. Et mes frères aident mon père. Alors, vous me demandez tout simplement où est le verbe. Alors, le verbe, il est toujours au milieu de la phrase. D'accord? Il occupe toujours la deuxième place. Par exemple, ici, c'est range, c'est le verbe ranger, et aide, c'est le verbe aider. Et ce sont deux verbes du premier groupe qui se terminent par aider. Ranger, aider. Voilà. Alors, encadre le verbe, j'encadre comme ça, de cette façon. D'accord? Je n'oublie pas. Le verbe occupe toujours deuxième place dans la phrase simple. Et voici donc le sujet. Je souligne par exemple l'élève, mes frères. Voilà. Vous avez bien compris maintenant la question. Vous pouvez maintenant répondre facilement le jour du contrôle. Alors, l'élève range son cartable. Voici le sujet et voici le verbe. Range. Mes frères aident mon père. Voici le sujet. Mes frères et voici le verbe aide. N'oubliez pas que le verbe toujours s'occupe normalement deuxième place. Et deuxième question du contrôle, complète les phrases avec le sujet qui convient, soit tu, soit nous, soit tu, deuxième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, et vous, deuxième personne du pluriel. Alors, il s'agit tout simplement d'ajouter ici le pronom personnel convenable. C'est d'ailleurs le sujet ici. Alors, doit, on dit tu dois. Tout simplement et facilement. On dit tu dois. Tu dois. Faisons, on dit nous faisons. C'est le verbe faire. Prenez, si tu arrives par Z, on dit vous. Vous prenez. Tu dois, nous faisons, vous prenez. Écrit. Par exemple, ici, écris la phrase avec le sujet proposé. Par exemple, ici, j'accompagne, qui sont dit, vous accompagnez avec le Z. C'est ça ce qu'on appelle l'accord entre le sujet et le verbe. Mes parents appellent, tu appelles avec OS à la fin. Le cuisinier ne prépare pas, par exemple, on dit nous. Préparant pas. Alors là, vous avez bien compris que ça veut dire l'accord. Alors l'accord, c'est quoi l'accord? Il y a une concordance, ça veut dire pour vous faciliter, on a ici j'apostrophe, par exemple première personne du singulier. Et voici la terminaison de la première personne du singulier. J'accompagne. C'est au présent. C'est le verbe accompagner. Comprendre cela. Vous, c'est toujours à la fin, EZ. Vous accompagnez. N'oubliez pas le jour du contrôle. Il faut bien comprendre cela. J'accompagne. Vous accompagnez. Mes parents appellent, on dit, ah, si mes parents appellent avec ONT, c'est d'accord avec mes parents, on dit tu appelles avec ESL. Du coup, ils ne préparent pas, on dit nous ne préparons pas.
Voilà, on passe maintenant à la conjugaison. Premier contrôle de conjugaison, complète les phrases en conjuguant le verbe avoir et être au présent. Alors, pour avoir, on dit ils ont. Ils ont des cadeaux. Et elle, avec être, on dit ils sont. Ils sont en retard. Elle, être en bonne santé, il est en bonne santé. Et avoir mal au dos, il dit il a mal au dos. Ils sont et ils ont des cadeaux. Ils ont des cadeaux. Elles sont en train de retard. Il est en bonne santé. Il a mal au dos. Complète les phrases en conjugué avec le verbe aller ou faire. Par exemple, on dit mon frère, les courses. On dit mon frère fait les courses. Je vais aller. On dit tout simplement je vais acheter des poissons. Avec aller ce jour, nous allons au restaurant vous faire. Attention, vous dites, vous faites attention. Alors, mon frère, c'est troisième personne du singulier. On dit, il fait, mon frère fait, je vais, nous allons, je vais acheter du poisson, nous allons acheter, et nous allons au restaurant, vous faites attention. Voilà, complète les verbes avec les terminaisons convenables. On dit il surveille avec un T à la fin. Nous attrapons avec ONS à la fin. Je parle ici du premier groupe. Les autres verbes aussi. Sans même terminaison. Voilà, je viens de terminer de corriger quelques exercices du contrôle pour vous aider à obtenir une bonne note. Alors ici, dans la partie de grammaire, on cadre le verbe et celui du sujet. Il faut comprendre que le sujet toujours s'occupe dans une phrase simple. La première place. La deuxième place, c'est pour le verbe. Vous allez tout simplement souligner le sujet et on cadre le verbe. Complète les phrases avec le sujet qui convient, tu et nous et vous. Il y a d'autres pronoms personnels sujets comme je, comme il ou elle, ou il avec S, elle, avec S c'est pluriel. Alors ici on dit tu dois, c'est le verbe devoir. Nous faisons, c'est le verbe faire. Vous prenez, c'est le verbe prendre. N'oubliez pas la terminaison, ONS c'est pour nous. Vous êtes, c'est pour vous. Et bien sûr, S, c'est pour tu. Écrivez la phrase avec le sujet proposé. J'accompagne avec eux, vous accompagnez. La terminaison. Et vous êtes, les parents appellent, tu appelles, la terminaison S. Cuisinier ne prépare pas, nous ne préparons pas. La terminaison, c'est ONS toujours. D'accord, pour la partie de conjugaison, on a déjà vu le verbe avoir et être. En disant des gâteaux, des cadeaux, pardon, ils sont en retard, il est en bonne santé, il a mal aux dents. Complète les phrases en conjugué, le verbe aller au faire au présent. Complète les phrases en conjugué, le verbe aller au faire au présent. On dit mon frère fait les courses, je vais acheter du poisson, nous allons au restaurant, vous faites attention. Complète les verbes par les terminaisons convenables. Lorsque je vois il, pluriel, j'ajoute ONT. Lorsque je vois nous, j'ajoute ONS. Alors c'est fini pour aujourd'hui et la prochaine vidéo sera donc pour l'orthographe et vocabulaire. N'oublie pas. De mettre des likes sur la vidéo et des commentaires si vous voulez bien. Allons-y. Assez vite, très bien.
Merci et de votre attention et à très bientôt.